Hier, aux établissements Viniprix, ratification du premier accord d'intéressement réalisé dans le cadre de l'ordonnance du 17 août 1967. Au terme de cet accord signé par les représentants de la direction et du personnel, des plans d'épargne seront proposés aux employés en plus d'une participation de 10% aux bénéfices nets. Après s'être félicité de cet accord qu'il a qualifié de particulièrement appréciable, M. Jacques Chirac, le secrétaire d'État à l'emploi, qui assistait à cette signature, a exprimé la certitude que le très bon exemple ainsi donné trouvera dans l'opinion française un terrain favorable. Jacques Chirac, 39 ans, ancien élève de l'ENA, collaborateur pendant 6 ans de Georges Pompidou, a été élu 2 fois député du SEL, en 67 et en 68, mais il n'a pratiquement jamais siégé au Palais Bourbon en raison de ses fonctions ministérielles. Il reste un élu local, puisqu'il préside, comme on le voit ici, le Conseil général de la Corrèze depuis 1 an. Depuis que vous êtes ministre délégué, chargé des relations avec le Parlement, on a écrit beaucoup de choses sur vous. On a raconté un peu trop. On a raconté que vous étiez un bourreau de travail, que vous passiez vos nuits dans les trains. Alors qu'est-ce qu'il y a de vrai dans tout ça? Oui, enfin, on exagère beaucoup, vous savez, dans ce domaine. J'essaye de faire face aux responsabilités qui sont les miennes, tant sur le plan parisien que sur le plan corrézien. Et pour ce qui concerne les nuits dans les trains, on fait en réalité allusion au fait que je viens pratiquement passer tous mes dimanches ici en Corrèze. Nous avons un invité de marque en la personne de M. Jacques Chirac, ministre, qui arrive chaque samedi au train 2009 à 3h52. Et il repart, je crois, le dimanche dans la nuit également. Monsieur le ministre repart en principe tous les dimanches à 23h15 au train 2012. Mais je vous rassure, j'y dors fort bien. Ces trains sont confortables et j'y dors très bien. On raconte aussi que quand vous arrivez à 4h, vous commencez à recevoir les Corréziens. Oui, alors là, on exagère tout de même un petit peu, n'est-ce pas? Parce que les Corréziens ont beau être des gens durs et habitués à une vie difficile, à 4h du matin, tout de même, bien que matinaux, il y en a peu qui viennent travailler. Enfin, il m'arrive néanmoins de recevoir à 4h, ou plus exactement à 5h du matin, des gens quand c'est nécessaire ou quand l'emploi du temps l'exige. Ce samedi-là, l'emploi du temps était chargé. Le matin, réunion avec les autorités universitaires au CET de Neuvic-Ducel. L'après-midi, inauguration d'une mairie et contact avec les habitants. Dans la soirée, réunion de travail dans une commune rurale avec les maires d'un canton. Je recommencerai demain matin un programme qui pourrait être différent et de la même nature. On dit quelquefois dans la presse que M. Chirac est un jeune loup. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, moi, en tant que loup, je préférais quand même avoir affaire à des animaux beaucoup plus domestiques qui pourraient nourrir un peu plus le peuple, et en particulier notre pays, qui s'en va vers une certaine décadence. Les paysans sont vraiment assez mécontents, et beaucoup de gens, l'emploi en particulier. Bon, jeune loup, ça, vous savez. Moi, je pense, même s'il y a un revirement de politique catégorique en France, Chirac sortira, restera député à Ussel. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est un gars qui est implanté, maintenant qui a une valeur majestueuse, il a une valeur, c'est pas parce qu'il est ministre. Hein. En tant que, moi je le connais de vue, mais enfin, je sais que par les gars, ceux qu'il contacte directement, il met à l'aise et tout. Quoi. On voit quand même qu'il y a eu du progrès dans la région. Il fait du travail. Et vous pensez que c'est un peu grâce à lui? Oh ben grâce à lui, pas lui tout seul, certainement. Après qu'il soit secondé. Hein. Lui ne fait certainement pas tout. Et vous pensez qu'il y est pour quelque chose? Pour quelque chose, moi, c'est ce qu'on dit, c'est ce que beaucoup de gens disent. Monsieur le ministre, vous venez d'inaugurer une petite mairie, vous allez tout à l'heure décorer un maire. Vos adversaires vous reprochent souvent de vouloir coloniser cette région du sel. Alors est-ce que toutes ces manifestations que vous présidez le samedi et le dimanche, quelquefois, correspondent à cet esprit de conquête que l'on vous prête? Non, ça ne correspond pas du tout à un esprit de conquête qui serait d'ailleurs parfaitement superflu dans cette région. En réalité, quand les électeurs et les habitants de cette Haute-Corrèze m'ont fait confiance, ils recherchaient à la fois quelqu'un qui essaye de défendre leurs intérêts avec plus de dynamisme dans le sens de l'expansion, et d'autre part qui attache plus d'importance à leurs propres préoccupations locales. Et lorsque je viens ici inaugurer une mairie, lorsque je vais tout à l'heure présider la réunion d'un conseil municipal et accessoirement d'ailleurs en décorer le maire, cela correspond à la nécessité
de garder le contact avec les réalités quotidiennes et concrètes qui sont celles auxquelles a à faire face un maire de commune rurale et qui par conséquent sont nécessaires sur le plan local pour aider les gens qui vous ont fait confiance, mais également nécessaires sur le plan national à un élu, à un élu qui a des responsabilités nationales et parisiennes pour garder le contact avec l'ensemble de ces réalités. C'est la raison pour laquelle je suis très attaché, au moins une fois par semaine, à ce retour aux sources, en quelque sorte, que représente pour moi le voyage en Corrèze. Il s'appelle Jacques Chirac. Les habitants de la Haute-Corrèze l'ont découvert aux élections législatives de 1967, débarquant en gare d'Ussel avec une valise, une attache locale, le petit village de Sainte-Féréole, à quelques kilomètres de là, dont il était conseiller municipal, et une étiquette, celle de la majorité. Le grand public le connaît peu. Mais les ministres tremblent devant lui. Benjamin du gouvernement, secrétaire d'État à l'économie à 38 ans, chargé du budget, Jacques Chirac tempère les ardeurs, rogne les crédits, vitupère les ministres dépensiers depuis le 1er juin. Élu de justesse en 1967, réélu haut la main en 1968, il est resté d'abord l'élu de la Corrèze, où il revient chaque semaine. De cérémonie en accolade, alliant la rondeur radicale à la raideur du technocrate majoritaire, il s'y confectionne entre deux trains son personnage préféré. Jean Espinasse, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Few fappers. Hola. Eh ben, toi, tu vas aller ça. Ah ben, toi, tu es bon, bon. Mais tu es fou. Bonjour, alors, quand même. Comment vas-tu? Et toi? Bon, alors, quand est-ce que tu le fais, ce prochain message? Eh ben, la prochaine fois, oui. Mais encore? Ben, dans 15 jours, peut-être 3 semaines, un mois. Ah, il bon, faut quand même qu'ils soient un peu plus gras. Ils sont à poids, là, ils sont à poids. Non, pas trop, ils sont pas trop petits. Eh. Il m'en faudrait une douzaine. Faut que tu en pousses un peu. Il en faudra bien 3 ou 4. Ah oui, là, il en faudrait 3 ou 4, oui. C'est la famille qui le fait. Oui. Tu te fais pas de bile, toi? Non, ah non. Je suis comme toi. Ouais. Toi, tu n'as pas l'air de la faire guère mieux. T'as un bon placeau? Oui. La tarte, ici. Ah, vous êtes des gars, vous autres, vous faites pas de mauvais sens. Et non, tu vois, le dimanche, mon vieux, on le passe comme ça. Ah oui. Jacques Chirac conduit un peu sa vie comme il conduit sa voiture, à toute allure, en se gardant à droite et surtout à gauche. Roger, comment allez-vous? C'est gentil d'être venu ce dimanche matin pour nous. Pour nous accueillir. Bonjour Marcel, comment ça va? C'est pas ça, comment allez-vous? Comment va, monsieur Coudert? Ça va? Votre santé, ça se maintient? Comment allez-vous? Bonjour monsieur. À la fois comme au fond, vous avez là maintenant 6 sections de FPA. Oui, nous avons et 4 et plus 5. Et la 6e va entrer. La 6e va entrer. La 6e va et entrer. Alors, quand on mettra les géomètres experts, où est-ce qu'on va les mettre alors matériellement? Alors, c'est prévu, nous allons les mettre, ils ont retenu deux salles de, même 3 salles de cours. Revenu à Paris le lundi matin, Jacques Chirac change de visage. Il a été nommé au ministère des Finances aux côtés de Valéry Giscard d'Estaing après une ascension sans histoire. Sciences Po, l'ENA, la Cour des comptes. À 27 ans, retour d'Algérie, Georges Pompidou, alors Premier ministre, l'appelle à son cabinet. De ce passage à Matignon, l'actuel secrétaire d'État garde quelque chose comme une nostalgie et une solide réputation qui lui vaut énormément d'amis et pas mal d'ennemis, celle d'être l'œil de Georges Pompidou dans la vie politique. Aujourd'hui plus jeune président de Conseil général de France, demain peut-être ministre, Jacques Chirac n'a pas achevé sa trajectoire.
Placé sur orbite pompidolienne depuis 1962, il n'a commencé sa véritable carrière que dans les jours difficiles de mai 1968. Le dossier sur le Conseil des ministres. Bien. Alors, sur le Conseil des ministres, ce que tu as vu, il y a un point important, c'est le... Oui, ça, je l'ai bien vu. C'est donc dans l'insécurité que vous êtes devenu responsable. Oui, enfin, exactement, je suis arrivé au poste que j'ai actuellement, le secrétaire d'État à l'économie et aux finances, m'occupe des questions de recettes et de dépenses, c'est-à-dire du budget, et... Le véritable pari qui a été engagé est celui qui a été engagé par le président de la République, par le Premier ministre, par M. Giscard d'Estaing, au moment du mois d'août 1969. Pari de la dévaluation. Oui, qui était un pari beaucoup plus ample, n'est-ce pas? Il s'agissait de savoir si nous arriverions à rétablir la compétitivité de ce pays et à rétablir les équilibres fondamentaux qui, sur le plan budgétaire, sur le plan économique, c'est-à-dire l'offre et la demande, et sur le plan extérieur, c'est-à-dire notre balance des paiements, avait été profondément perturbée par l'évolution antérieure. L'orthodoxie était nécessaire. Ce n'était pas une question d'orthodoxie. Il en va d'un pays, en réalité, comme d'un ménage. On ne peut pas dépenser indéfiniment plus qu'on ne gagne. C'est ça le problème. Vous avez certainement, vous-même, envie d'acheter des tas de choses et vous êtes obligé de vous restreindre de réduire mon impact. Et de cette façon, à réduire votre impact. C'est la même chose pour l'État. Car il ne faut pas croire que le seul fait de pouvoir puiser dans la poche des contribuables soit une solution à tous les problèmes. Ce n'est malheureusement pas vrai. Et je veux dire heureusement pas vrai. Par conséquent, il fallait à tout prix rétablir nos équilibres fondamentaux. Et c'est ce que nous avons fait. Comment expliquez-vous que cette réussite s'accompagne de mouvements revendicatifs, incessants, catégoriels et relativement violents? Vous savez, je crois qu'on ne peut pas faire un lien entre la réussite et les mouvements sociaux. La réussite sur le plan économique, qui je crois est de notoriété publique internationale, qui ne paraît être mise en cause par personne, est due essentiellement au ressort très vif qui en réalité est celui de l'économie française et qui nous permet de ne pas partager le pessimisme que certains augures affichent en ce qui concerne les structures de notre économie. Alors, sur le plan social, le problème est évidemment différent. Il est certain qu'il y a une évolution de la psychologie nationale vers un appétit parfaitement légitime, car toutes les revendications sont légitimes, un appétit de consommation qui, sans aucun doute, excède les possibilités de notre production nationale. D'où les difficultés et les crises que nous pouvons connaître dans tel ou tel secteur. J'appelle tout de même votre attention sur le fait que, par rapport à ce qui avait été prévu par un certain nombre de spécialistes traditionnellement pessimistes, la situation sociale que nous connaissions aujourd'hui est une situation qui n'est pas mauvaise. Et s'il y a des mouvements divers, et notamment, comme vous le dites, sectoriels, qui se règlent plus ou moins facilement par les procédures de concertation que souhaite le gouvernement, il n'y a pas en réalité de crise sociale pour une raison simple, c'est parce que le pouvoir d'achat continue d'augmenter très généralement et de façon assez satisfaisante. Si la majorité changeait, c'est-à-dire si l'UDR perdait sur sa droite les éléments les plus extrémistes, et si elle récupérait sur sa gauche des centristes aux socialistes. Est-ce que vous croyez que M. Pompidou serait président de la République de cette majorité-là? Dans l'état actuel de l'opposition, et je ne parle naturellement pas du Parti communiste, je ne vois pas très bien comment, compte tenu de ses structures, compte tenu de ses problèmes, compte tenu de ses dirigeants, je ne vois pas très bien comment, avant un nombre d'années important, il pourrait réellement y avoir un changement de majorité, c'est-à-dire comment une opposition pourrait se reconstituer de façon sérieuse avec un programme de gouvernement et qui soit réellement susceptible de se substituer à la majorité actuelle. Mais je crois que c'est un problème un peu théorique. Vous dites naturellement, je ne parle pas du Parti communiste. Vous avez presque du respect quand vous parlez du Parti communiste. Vous en parlez comme... C'est une certaine forme de respect, n'est-ce pas, qui ne doit pas tout de même vous abuser. Car tout m'éloigne profondément des options du Parti communiste, enfin, ne serait-ce que le respect que j'ai pour la liberté. Est-ce que l'Assemblée est d'accord? L'Assemblée de la Commission de développement économique et régional du Limousin. Les arrivées tardives sont les meilleures. Un rapporteur général, est-ce que l'Assemblée
pouvez-vous adhérer à l'UDR ou au gaullisme? Vous savez, je ne suis pas un gaulliste historique par la force des choses, puisque j'avais 12 ans ou 13 ans au moment de la libération de Paris. Et par conséquent, le général de Gaulle n'a pas représenté pour moi ce qu'il a été pour beaucoup dans cette période. Ce qui m'a conduit en fait au gaullisme, c'est essentiellement le spectacle de la France pendant les années 53-58, si vous voulez, c'est-à-dire les années que j'ai passées à Sciences Po, où j'ai voyagé à l'étranger pas mal, et où je suis entré à l'ENA, et où par conséquent j'ai apprécié, si vous voulez, davantage, avec plus de connaissances, plus de maturité, le désastre vers lequel ce pays s'en allait petit à petit et la clochardisation qui le caractérisait. Je me suis dit que véritablement l'État était tombé dans une telle situation qu'il n'était pas question pour moi de le servir et que je devrais probablement démissionner. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai vu arriver le général de Gaulle, ça a été pour moi, je dirais, une très très grande satisfaction, car j'ai immédiatement adhéré à la totalité de son analyse. Je me suis dit qu'on était sauvés. On vous a appelé le jeune loup de la majorité. Qu'est-ce que c'est qu'un jeune loup? Oui, enfin, je n'étais pas le seul tenant du titre, n'est-ce pas? Cette expression a été reprise par quelques journalistes au lendemain d'une réunion que nous avions organisé, Jean Charbonnel et moi, à côté de Limoges, avec l'ensemble des candidats 5e République pour les élections législatives de 1967, pour les trois départements du Limousin. Et cette réunion nous avait conduit à constater que le moment était venu de faire un effort politique dans cette région et que cet effort politique devait normalement être gagnant dans un certain nombre de circonscriptions, quelle que soit la conjoncture qui par ailleurs n'était pas très favorable. Et nous avions donc juré de faire cet effort tous ensemble jusqu'à la victoire. C'était une opération concertée ? C'était une opération concertée, oui, que nous avions organisée pour bien montrer notre volonté de marquer notre présence dans ces pays où, il faut bien le dire, le gaullisme était très généralement absent, tout au moins dans sa représentation. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être pompidolien ? Vouloir parler de pompidolisme par rapport au gaullisme, je crois, est un faux problème et une fausse question. C'est pourtant la question que toute la France se pose. Non, que un certain nombre de gens se posent, que les journalistes doivent se poser, ce qui est légitime. Je crois qu'en réalité, il n'y a pas de différence fondamentale. Il y a le gaullisme, tel que le général de Gaulle l'a institué et l'a voulu, qui est une doctrine politique, qui est surtout, à mon avis, une attitude morale, c'est-à-dire le refus de l'affaiblissement et une certaine conception de l'honneur, et notamment de l'honneur national. Et dans cette mesure, il n'y a pas de différence entre le gaullisme et le pompidolisme. Grande ombre du gaullisme pèse sur le pompidolisme? Non, je ne crois pas qu'il y ait une ombre qui pèse. Je crois qu'en réalité, il y a une certaine continuité des notions fondamentales qui sont celles du général de Gaulle et qui sont celles actuellement du président de la République, de la majorité et de son gouvernement. La mairie de Chamberet. Le conseil municipal, qui depuis 1965 a remplacé une municipalité communiste, accueille au grand complet celui à qui il doit son élection. On en a déjà parlé d'ailleurs. C'est déjà fait, nous y allons. Est-ce que vous avez de la chance? Est-ce que vous y croyez à la chance? Oui, il est évident que si vous n'avez pas de chance, je n'aurais pas été élu ici, je ne serais pas entré au gouvernement. Je crois beaucoup à la chance, je crois à la chance que j'ai, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de chance. Et qu'est-ce qui fait les éléments de votre chance, à votre avis? Vous savez, la chance, c'est un phénomène complexe. Je crois que d'abord, il faut y croire, il faut être optimiste, c'est un élément essentiel de la chance. Et je crois également qu'il faut un peu la forcer, et notamment par le travail. Il est rare que l'on ait de la chance si par ailleurs on attend tout simplement que les choses arrivent. Ça existe, mais enfin, je ne suis pas convaincu. La chance, au fond, c'est le résultat d'un certain comportement. Vos ennemis vous reprochent ce qu'ils appellent une attitude autoritaire, même despotique, j'ai entendu les deux mots. Est-ce que vous acceptez leurs reproches? Je
Je n'ai pas du tout le sentiment d'être autoritaire, mais si quelqu'un le dit, il doit avoir des raisons de le penser. Mais pour ma part, je ne me sens pas du tout autoritaire et encore moins despotique. Vous savez, j'aime trop la liberté et la mienne pour ne pas respecter celle des autres. En dehors de la politique, qu'est-ce que vous aimez? C'est une passion exclusive pour vous? La politique n'est pas une passion pour moi. Je trouve passionnant la fonction que j'occupe actuellement. En vérité, si j'en occupais une autre, j'y trouverais probablement un intérêt aussi grand. Je crois qu'il y a d'intérêt dans tous les métiers, dans toutes les vocations. Je ne pense pas d'ailleurs que la politique soit un métier. Je pense que c'est plutôt une vocation. Alors, je ne sais pas si j'ai ou non cette vocation, l'avenir le dira, mais en réalité, je ne peux pas dire que ce soit une véritable passion. Cela m'intéresse. Je fais le maximum pour essayer d'honorer les engagements que j'ai pu prendre, mais je n'en fais pas un désir exclusif et total que la passion engendrerait et qui consisterait à vouloir aller toujours plus loin et plus haut. Ce n'est pas du tout dans mon esprit. J'ai conservé, vous savez, de ma formation administrative, un certain caractère, et en vérité, je suis beaucoup plus sensible à la nécessité de servir que à celle de réussir, comme on dit en politique, ou comme on disait, notamment sous les républiques antérieures. Vous dites que l'avenir ne vous intéresse pas. Ça veut dire que vous croyez que le vôtre est assuré? Alors, d'abord, je n'ai pas dit que l'avenir ne m'intéressait pas. L'avenir, et notamment l'avenir de la France, lui, m'intéresse au plus haut point. Alors là, il me passionne même. Et pour ce qui concerne mon avenir, je n'ai jamais dit qu'il ne m'intéressait pas. Je dis simplement que ce n'est pas en fonction de l'idée que je me fais d'un certain avenir que je suis amené à prendre telle ou telle position, mais beaucoup plus en fonction de la réalité quotidienne. Et ça ne veut pas du tout dire que je le crois assuré. Ça, je puis vous dire que, en vérité, l'avenir qui m'est réservé, quel qu'il soit, soit dans le domaine politique, soit dans un autre, est un sujet qui m'intéresse, mais enfin qui ne me passionne pas, car après tout, je ne le conditionne pas entièrement, et beaucoup s'en faut, et d'autres que moi le conditionnent. Est-ce que Jacques Chirac, ça vous intéresse? Coupé. Coupé. Je voulais que je réponde à cette question. Les spécialistes de la politique attendent, paraît-il, avec curiosité, comment nous réagissons aux nouvelles modalités de présentation des formations socialistes, qui sont passées d'une conception pavillonnaire à l'immeuble qu'ils pensent être de rapport. Il reste pour nous des marxistes qui choisissent par conséquent la lutte des classes dont nous ne voulons pas, l'appropriation collective des moyens de production dont nous ne voulons pas, la bureaucratie de la France dont nous ne voulons pas, la porte ouverte du pouvoir au Parti communiste dont la faillite, partout dans le monde où il s'est installé, est masquée par la contrainte où sont assujettis les malheureux peuples qui se sont laissés tenter. Je n'ai rien à dire de plus. S'il vous plaît, Vernon, s'il vous plaît. Bon, on va essayer de passer. Le ministre, s'il vous plaît.
Bonjour messieurs. Bon, vous avez une petite seconde pour mettre une photo, monsieur Ça va? Moi, mon avis personnel, c'est que il n'y a pas de raison de faire des sessions extraordinaires, parce que demander un vote à l'Assemblée, c'est revenir encore à la 4e et la 3e République et demander un vote d'investiture, ce qui n'est pas dans l'esprit de la Constitution. Mais ça, ça ne me regarde pas. Ça regarde le chef de l'État et le Premier ministre. Merci, Robert. Au revoir. Beaucoup plus fumer les jambes. C'est pas possible, du coup. Je pense que l'ouverture qui a été faite est nette et demeure. Et demeure. Mes premiers invités, premier feu de cette actualité dans Feu croisé ce soir, Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture. De retour de Bruxelles, le ministre de l'Agriculture nous a fait le plaisir de venir, et l'honneur surtout de venir ce soir dans cette édition, pour répondre aux questions, monsieur le ministre, que les Français, et spécialement les agriculteurs, se posent. Jacques Chirac est parti à Luxembourg avec des intentions. Ces intentions n'ont pas été tout à fait concluante, puisque les prix n'ont pas été tout à fait ceux que vous souhaitiez au terme de la négociation, d'une négociation difficile, 50 heures de discussion pour la dernière séance. Alors, est-ce que c'est un Jacques Chirac satisfait que nous recevons ce soir à Feu croisé quand même? Vous savez, ces problèmes étaient importants et ils se sont résolus, comme toujours, dans une concertation à laquelle 9 pays intéressés. Ils se sont résolus par un compromis, ce qui est la règle traditionnelle du jeu. Alors, un compromis a pour caractéristique, par définition, de ne pas répondre aux préoccupations de tous les participants. Il est certain que c'est une sorte d'équilibre qui, dans le cas particulier, a été très difficile à élaborer en raison des oppositions très importantes, tant sur le plan politique que sur le plan technique, qui existaient entre les différentes nations composant le Conseil des ministres. Vous me demandez si je suis satisfait, je vous dirai oui et non. Oui, parce que 3 points importants ont été acquis pour l'agriculture française. Le premier, c'est que le compromis soit parvenu à ses fins, car nous avons été pratiquement à la limite, et même au-delà de la limite de la rupture. Et je dirais que c'est presque un miracle que ce compromis ait pu être finalement adopté au bout d'un marathon sur lequel, d'ailleurs, j'ai les plus extrêmes réserves à faire en ce qui concerne les méthodes de travail. Ce qui nous permet d'assurer pour l'avenir la continuation et le fonctionnement de la politique agricole commune, ce qui est essentiel pour l'agriculture française. Et puis aussi, nous avons eu sur le plan pratique deux satisfactions importantes. La première étant celle qui est liée à la hiérarchie des prix. Vous savez que notre ambition était d'obtenir une revalorisation des prix des productions animales par rapport aux productions végétales, et ceci a pu être obtenu contre l'avis de tous les observateurs dans des conditions sans précédent par le passé. Enfin, nous avons obtenu que l'Europe veuille bien accepter de faire un premier pas, mais un pas important et sérieux, vers le retour à l'unité des prix, qui est un des éléments qui conditionne son bon fonctionnement. Je ne veux pas entrer dans le détail technique, bien entendu. Et puis, comme tout compromis, il comporte des inconvénients. Et ces inconvénients se situent essentiellement au niveau de la fixation de certains prix. En effet, j'avais pratiquement les 8 autres délégations qui étaient absolument opposées à mes thèses concernant le relèvement du prix du lait et du prix de la viande. Et j'ai eu, sur ce point, les plus grandes difficultés à faire admettre quelque chose qui, pour être insuffisant, soit tout de même acceptable. Et c'est ce qui est finalement arrivé, et je regrette pour ma part que nos partenaires européens n'aient pas voulu accepter une revalorisation plus substantielle. Je comprends d'ailleurs leur raison parfaitement, du prix du lait et de la viande. Si bien qu'au total, je crois que l'essentiel qui était de continuer l'Europe a été sauvegardé de justesse,
et que par conséquent l'Europe est sortie, si vous voulez, en quelque sorte confortée de cette épreuve. Lorsque l'on a une épreuve très difficile et qu'on arrive à la surmonter, eh bien généralement il en ressort un esprit nouveau, et je crois que sur ce plan, et par conséquent dans ses prolongements politiques pour l'avenir, non seulement sur le plan agricole, mais sur le plan général de la construction européenne, c'est un peu une victoire de l'Europe qui a été obtenue hier à Luxembourg. Oui, monsieur le ministre, on dit beaucoup, car les commentaires sont nombreux sur cette affaire de Luxembourg, on dit beaucoup qu'il valait peut-être mieux laisser l'Europe aller au fond de l'abîme dans cette négociation agricole, quitte à la reconstruire après, plutôt que de la replâtrer, qu'en définitive, au mois d'avril 73, se reposeront à peu près les mêmes problèmes, au 74. Cher ami, je ne sais pas qui dit ça, mais certainement pas les agriculteurs. Car ceci ne serait absolument pas de leur intérêt. Il est évident que si l'on avait cassé l'Europe à l'occasion du dernier marathon de Luxembourg, se serait ouvert une période d'incertitude totale dont on serait très mal sorti. Une période d'incertitude parce que nous n'aurions pas fixé de prix agricole, ce qui veut dire que les prix actuels auraient été reconduits et que les agriculteurs auraient été ainsi privés de la hausse de prix et donc de l'amélioration des revenus qu'ils sont légitimement en droit d'espérer chaque année de la fixation des prix agricoles. De même que chaque salarié ou chaque industriel attend une revalorisation normale et régulière de ses revenus. Donc là, il n'y aurait rien eu, ce qui aurait eu des conséquences pratiques et immédiates très graves pour les agriculteurs. Deuxièmement, nul n'ignore qu'un certain nombre de pressions sont exercées actuellement sur l'Europe et que celle-ci est contestée de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Et que la politique agricole commune étant l'élément le plus affirmé, le plus essentiel de la construction européenne, sa remise en cause aurait eu deux conséquences. D'abord, il est certain que nous n'aurions pas reconstruit une union agricole comme celle qui existe, et que par conséquent l'intérêt que cela comporte pour la France, notamment en tant qu'elle assure un débouché permanent et à des prix rémunérateurs pour nos excédents, aurait été très profondément remis en cause, ceci au plus grand détriment de notre agriculture, et deuxièmement, la construction européenne aurait reçu, sans aucun doute, sur le plan politique, un coup d'arrêt dont elle aurait eu du mal à se relever. Le redémarrage aurait été sans doute difficile. Il est apparu très clairement, aussi bien aux négociateurs qu'aux opinions publiques, si j'en juge par la lecture de la presse, dans la mesure où elle la reflète, et en tous les cas qu'aux organisations agricoles qui ne l'ont pas caché, que la pire des solutions, en toute hypothèse, aurait été de casser l'Europe à cette occasion. Monsieur le ministre, si on regarde vers l'avenir, c'est un petit peu notre objectif ce soir, on pense à septembre 1973, à cet automne 1973, où il va falloir connaître des problèmes des relations entre les États-Unis et l'Europe. Vous faisiez allusion à ceux qui regardaient avec intérêt vers l'Europe en ce moment. On se souvient des déclarations de M. Kissinger à propos de la dite Europe, des déclarations concernant également l'agriculture européenne. Est-ce que cette position de l'Europe aujourd'hui, en ce 2 mai 1973, permet de dire nous allons aller plus fort vers la négociation du Nixon-Rand que nous ne l'aurions été s'il y avait eu rupture, s'il y avait eu dispersion? Alors, je faisais allusion tout à l'heure aux critiques et aux attaques dont la politique agricole commune fait l'objet. Naturellement, je pensais effectivement aux prises de position récentes des États-Unis, exprimé par M. Kissinger, vous l'avez dit tout à l'heure, mais qui lui parlait de l'ensemble de l'équilibre mondial, mais également, et de façon beaucoup plus précise, il y a 15 jours à l'OCDE, par le ministre américain de l'Agriculture, M. Boots, auquel j'ai eu à cette occasion la possibilité de répondre. C'est vrai, et il était par conséquent essentiel que l'Europe puisse se présenter cohérente et unie en face des pressions qui sont exercées sur elle, de façon à ce que ces négociateurs puissent véritablement défendre les intérêts de ses mandants, c'est-à-dire de l'ensemble des agriculteurs européens. Et le fait d'avoir surmonté, je le répète, nos difficultés à Luxembourg, nous permettra effectivement de nous présenter avec la cohésion nécessaire pour aborder une négociation qui sera également très difficile, sans aucun doute, et que nous avons l'intention d'aborder en maintenant les principes essentiels de nos intérêts, c'est-à-dire le maintien de notre politique agricole commune, qui n'est pas fondée sur les principes d'un libéralisme sauvage, qui est aujourd'hui totalement inadapté et dépassé, mais sur des préoccupations d'ordre économique, certes, mais également d'ordre social, et liées à la nécessaire évolution des revenus de nos agriculteurs.
qui est fondée également sur le principe des concessions réciproques et qui exclut par conséquent la possibilité pour nous de désarmer de façon unilatérale et simplement pour répondre aux sollicitations américaines, et qui est fondée enfin sur la nécessité de trouver, en ce qui concerne les rapports entre, je dirais, le monde riche et le monde en voie de développement, notamment sur le plan agricole, des relations et des modes de relations économiques qui soient plus conformes aux intérêts fondamentaux de l'essor économique et social des pays sous-développés. Monsieur le ministre, vous avez parlé de la méthode de négociation à Luxembourg en émettant quelques réserves sur ces 50 heures de négociation ininterrompues. Quel genre d'homme est Jacques Chirac quand il a 50 heures à passer à négocier? Ça, c'est certainement pas à moi de le définir. Vous aviez un grand nombre de confrères qui sont d'ailleurs installés dans des conditions absolument scandaleuses, aussi bien à Bruxelles qu'à Luxembourg, et qui certainement, qu'ils soient de la presse écrite ou de la presse parlée, qui certainement ont eu au moins autant de mérite et même peut-être plus que les délégations nationales à affronter ce marathon. C'est à eux qu'il faut poser cette question. Je ne veux pas du tout vous dire, j'ai déjà suffisamment de mal au bout de 50 heures à rester tout à fait maître de mon dossier, sans en plus me poser des questions sur l'impression que je peux donner à l'extérieur. Monsieur le ministre, nous allons faire venir sur ce plateau quelqu'un que vous connaissez bien. Vous l'avez rencontré alors que vous n'étiez pas encore ministre de l'Agriculture. Vous étiez chargé de l'emploi. Ça se passait en mai 68. Ça fait à peu près 5 ans maintenant, à quelques jours de différence, puisque c'était le 25 mai que commençait la négociation de Grenelle. Quelqu'un qui est en plein dans l'actualité. Il s'agit de Georges Séguy, le secrétaire général de la CGT, qui est l'un de nos invités aujourd'hui. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Vous connaissez Jacques Chirac, vous avez eu l'occasion de vous rencontrer à Grenelle. Quel genre d'homme était Jacques Chirac à Grenelle pour le secrétaire général de la CGT que vous étiez? Il y aurait beaucoup à dire. Monsieur Chirac, pour moi, est un homme qui a fait de la politique sa profession, qui ne manque pas d'ambition. À Grenelle, en mai 68, vous en parliez à l'instant, il assistait le Premier ministre de l'époque, qui est présentement président de la République, en tant que secrétaire d'État à l'emploi, je crois. C'est ça. Nous étions donc, moi, en tant que représentant des travailleurs, et vous, M. Chirac, en tant que représentant du gouvernement, des deux côtés différents de la barrière. 5 ans après, nous nous trouvons l'un par rapport à l'autre dans la même situation. Il n'y a pas de barrière entre eux, là, pour le moment. Non, il y a un petit peu en terrain neutre. Vous êtes en terrain neutre. Georges Séguy, nous sommes le 2 mai, alors tout de suite, pour le secrétaire général de la CGT, satisfaction après le 1er mai 73. La manifestation qui s'est déroulée à Paris hier a démontré une puissante volonté des travailleurs d'obtenir satisfaction à leurs revendications. Dans toute la France, il en a été de même. En même temps, ces manifestations ont donné la mesure de l'intérêt que les travailleurs portent à leur unité, à la solidarité entre eux, avec les travailleurs immigrés, avec les lycéens, les collégiens et les étudiants qui luttent en ce moment, qui se sont retrouvés hier dans les manifestations que nous avons organisées. Je crois que ce 1er mai aura contribué, sur le plan de l'action syndicale, à faire avancer les objectifs pour lesquels les syndicats en France luttent. Voici quelques images de ce qu'a été le 1er mai hier à Paris. Cette manifestation unitaire, malheureusement, sous la pluie, vous l'avez regretté, je suppose. Elle n'a pas empêché une forte participation des travailleurs de la région parisienne à la manifestation. Vous l'avez remarqué, je suppose. L'unité, pour vous, c'est capital, Georges Séguy? Capital. C'est la clé de toutes les perspectives d'évolution de la société et de tout progrès social. L'unité entre travailleurs dont les intérêts sont communs. Il y a eu au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, peut-être quelques divergences entre Georges Séguy et Edmond Maire, non pas au niveau des personnes, je sais que vous n'aimez pas la personnalisation des organisations syndicales, mais enfin au niveau des conceptions de ce que doit être la vie syndicale. Aujourd'hui, cette unité CGT et CFDT est-elle parfaitement réalisée? Vous parlez des divergences au passé, j'aimerais bien que vous puissiez avoir raison, mais hélas, ces divergences persistent.
Et il n'est pas question de vouloir les estomper artificiellement parce que l'unité d'action sur les revendications a évolué dans un sens positif. Il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels la CGT et la CFDT ont des opinions différentes. S'il n'en était pas ainsi, probablement nous serions dans la même organisation syndicale. Et bien que nous ayons la volonté de part et d'autre de renforcer encore l'unité d'action revendicative, nous estimons quant à nous qu'il est souhaitable de poursuivre le débat public sur les questions à propos desquelles des divergences subsistent, pas pour le plaisir de se livrer à des polémiques stériles, mais pour permettre aux travailleurs d'avoir un jugement réfléchi et documenté sur le fond de ces problèmes et de se déterminer en conséquence. Voilà pourquoi, à la veille du congrès de la CFDT, qui doit se prononcer sur certaines orientations ayant fait l'objet de documents soumis à la discussion de ce congrès, nous aurons probablement un certain nombre de choses à dire pour préciser notre position par rapport à des critiques et à des appréciations que nous jugeons assez négatives de la CFDT sur notre organisation syndicale, sur l'unité en général des travailleurs et de la gauche dans notre pays, et sur les perspectives d'évolution de notre société en France. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Edmond Maire qui, à 13h à France Inter, me disait qu'il n'y avait plus aucun problème entre la CFDT et la CGT. Vous aurez l'occasion, du reste, de vous en expliquer demain. Mais revenons à notre problème. Renault, par exemple, vous êtes d'accord avec la CFDT? Apparemment, ce matin, le travail a repris à une large majorité chez les OS de Billancourt. La situation s'est décantée, la CGT était pour la reprise, la CFDT réservait sa réponse. Est-ce que vous êtes satisfait de la situation aujourd'hui, 2 mai, chez Renault, puisque c'est le principal conflit du mois de mai et que les Français en ont jugé ainsi aussi pour le mois d'avril, puisque vous savez que le sondage Sofres-Figaro donnait comme principal sujet d'actualité pour les Français le problème des OS chez Renault. Oui, je ne détermine pas mon comportement par rapport au sondage. Je le sais bien. Par rapport plutôt à l'opinion des travailleurs et avant tout des syndiqués de la CGT. Eh bien, le conflit de Renault dont vous parlez, qui a évidemment retenu si fortement l'attention de l'opinion publique, prend une nouvelle dimension aujourd'hui. Je ne dirais pas qu'il est terminé, il prend une nouvelle dimension. Après la phase de la grève que nous avons connue et différentes péripéties qu'elle a eues, avec quelques bavures, mais il ne faut pas exciter son attention sur des bavures, il faut voir les choses dans l'ensemble pour pouvoir procéder à une analyse précise. Ouais. Il vaut mieux qu'il n'y en ait pas. Vous savez, dans toute période de lutte des travailleurs, dans toute circonstance d'action, il est difficile de trouver la perfection absolue. Ce qui compte, c'est que nos organisations syndicales, et la CGT en particulier, chez Renault, dont on connaît l'autorité, a conduit le mouvement d'un bout à l'autre de telle façon qu'il ait pu aboutir aux négociations pour lesquelles nous avons fait à diverses reprises des propositions précises à la direction de la régie, qui n'avaient jamais pu s'engager jusqu'alors et qui viennent de s'ouvrir avec un ordre du jour qui peut, je l'espère, aboutir à des résultats positifs. En tout cas, les négociateurs de la CGT participent à ces négociations avec la volonté de faire en sorte que les grands problèmes sociaux qui ont été à la base de ces manifestations et de ces grèves puissent trouver une solution négociée. Oui, disons que dans la négociation, il y a le problème de la classification sur lequel on va revenir. On n'était pas revenu sur ce problème depuis 21 ans. Et à propos de cette négociation qui va être ouverte, vous avez l'intention, vous, leaders syndicaux, d'organiser une autre négociation, de parler d'autre chose, de ce qui a été l'événement actuel de la grève, les licenciements, les sanctions prises. C'est donc bien je cela. Crois que ce qui est au centre de la négociation qui s'engage chez Renault, c'est le problème des classifications dont vous parlez, qui se rattache à celui des conditions de travail en général, et qui se retrouve concentré dans la grande idée d'une grille unique, d'une grille hiérarchique unique des salaires, se substituant au système de salaire par poste, système américain qui a été introduit voici de longues années dans notre pays,
qui a été mise en vigueur dans la plupart des industries de la métallurgie et même d'autres industries, et qui est fortement contestée à tel point qu'on se demande s'il pourra survivre aux luttes que nous avons soutenues. Ce qu'il faut dire, c'est que M. Chirac, en étant ministre de l'Agriculture, est dans une situation assez confortable dans son poste par rapport au ministre de l'Emploi. Il a moins de problèmes avec ses syndicalistes que n'en a le ministre de l'Emploi avec les syndicalistes que vous êtes, non ? Je n'en suis pas sûr. M. Chirac. Je veux dire que pour le moment, les organisations syndicales agricoles ont toujours fait preuve d'une volonté de faire aboutir leurs revendications qui sont exprimées, croyez-le bien, M. Segui, avec autant de fermeté que les revendications exprimées par les organisations ouvrières et avec un sens de la défense des intérêts de leurs mandants qui est aussi affirmé, mais certainement avec une volonté d'aboutir qui les conduit à une concertation permanente dont elles estiment pouvoir retirer le profit et qui s'exprime par exemple dans des contacts permanents et où chacun essaye de faire un effort pour se comprendre. Et jusqu'ici, ça a donné, à mes yeux, des résultats qui sont extrêmement positifs. On se comprend mieux dans l'agriculture que ce qui ne veut pas dire que que j'ai moins de difficultés que lorsque j'étais secrétaire d'État à l'emploi et que j'étais confronté à M. Segui en tant que représentant des travailleurs. Mais les premières réactions des organisations syndicales d'agriculteurs risquent d'être fortement contestées par les agriculteurs eux-mêmes lorsqu'ils verront ou lorsqu'ils seront confrontés aux résultats définitifs des négociations de Bruxelles. Par exemple, monsieur le ministre, me permettez-vous de poser une petite question ? Vous êtes là pour ça, comme consommateur, alors. Hein. Alors là, j'ai appris que le lait augmenterait de 5,50 francs à la consommation. Est-ce qu'il augmentera dans la même proportion à la production ? Non, on vous a donné un mauvais renseignement parce que dans un cas comme dans l'autre, il n'augmentera pas de 5,50 francs. Je vous rassure tout de suite, il augmentera de toute façon à la production plus qu'à la consommation pour un certain nombre de raisons techniques dans le détail desquelles je n'entrerai pas et ce sera de 5,5% en ce qui concerne la consommation et d'un peu plus de 6%, de l'ordre de 6% en ce qui concerne la production. Comme il ne vaut pas 100 francs, ça ne fait pas exactement les chiffres que vous disiez. Il y a une chose certaine, c'est que les intérêts dans la matière du consommateur et les intérêts du producteur sont opposés. Et que vous réagissiez pour la défense des intérêts des consommateurs, comme vous avez eu l'occasion de le faire à maintes reprises, je le comprends parfaitement. Mais à ce moment-là, il y a une contradiction avec les prises de position que, compris cet après-midi, certains organes politiques, trouvant insuffisant l'augmentation du prix du lait. Alors, il faut savoir, ou bien on l'augmente pour faire plaisir aux producteurs, ou bien on le baisse ou on le maintient pour plaisir aux consommateurs, on ne peut pas faire les deux à la fois. Ce qui me tracasse, c'est que souvent, nous avons des prix des produits agricoles augmentés à la consommation qui ne le sont pas à la production. Par exemple, je prends le cas de la viande de bœuf. Elle a augmenté de 3,60 francs au mois de mars à la consommation. Or, les producteurs de viande ont constaté sur les marchés que les cours avaient diminué. Comment expliquez-vous ça ? Alors d'abord, ils n'ont pas constaté que les cours avaient diminué. C'est un fait. Non, ce n'est pas un fait. Croyez bien que je suis les cours de la viande de bœuf avec au moins autant d'attention que vous. Et ceci est qualité. Mais par contre, le phénomène que vous décrivez est exact. Il ne m'appartient pas de défendre le système commercial tel qu'il existe, mais je vous fais remarquer que dans la période précédente, il faut reconnaître que les cours à la production avaient augmenté plus rapidement que les cours à la consommation et qu'il n'y a donc eu forcément, ce qui avait d'ailleurs provoqué de vives protestations, qui, si je ne m'abuse, avaient recueilli d'ailleurs un certain assentiment de la part d'un parti politique que vous connaissez bien, de la part des bouchers et du circuit de transformation et du circuit de commercialisation. Je parlais du Parti communiste qui a fait, à cet égard, à l'époque, me semble-t-il, quelques réflexions soutenant les revendications exprimées par les bouchers, dans le cas particulier d'ailleurs, qui se comprenaient parfaitement dans la mesure où leur marge avait soudain été prise entre la hausse des prix à la production et une insuffisante hausse des prix taxés à la consommation. Bien qu'il y a une espèce de phénomène de détente du prix qui s'est produit, qui fait que ce que vous dites est exact. Mais alors je vous rassure tout de suite, la hausse des prix en ce qui concerne la viande, telle qu'elle a été décidée à Bruxelles, n'a aucune conséquence sur la consommation. Pour des raisons techniques complexes, aucune conséquence. Donc oui, il n'y aura pas de hausse du prix du beefsteak. Monsieur le ministre. Enfin, pour des raisons liées aux décisions de Bruxelles. Oui, justement, à propos de Luxembourg, si vous voulez. De Luxembourg. Le panier de la ménagère va coûter plus cher. Expliquez d'ailleurs à vos auditeurs que Luxembourg et Bruxelles, dans le cas particulier, c'est la même chose, car le Conseil de l'agriculture se réunit tantôt à Bruxelles, tantôt à Luxembourg. Là, vous avez parlé de la viande, mais le panier de la ménagère va être plus cher.
Le panier de la ménagère, forcément, va connaître dans les années qui viennent une augmentation. Mais ceci n'est pas lié avec les décisions prises à Luxembourg, qui, en dehors de la décision prise sur le lait, et qui, comme vous le savez, est à mon avis, pour un certain nombre de raisons, trop modérée, puisque je souhaitais une hausse plus substantielle du prix du lait, et que j'ai déjà obtenu plus que ce qui, théoriquement, était la décision ultime à laquelle je devais arriver, selon les observateurs, qui connaissaient les intentions de nos partenaires, ceci aura une légère incidence forcément sur le prix du lait à la consommation, qui ne représente d'ailleurs qu'une faible part du prix du lait à la production, mais les autres décisions n'auront pas d'incidence directe sur le panier de la ménagère. Je pense que nous aurons l'occasion de vous retrouver, monsieur. Vous êtes optimiste sur les si l'avenir de... Si je n'avais pas été, il n'y aurait plus de politique agricole aujourd'hui. Je le suis de nature. Oui, moi aussi, mais sur notre plan quand même. Voilà. Nous ne pouvons pas nous rencontrer sur tous les plans. Aujourd'hui, le Tunisien pose un problème, comme si vraiment le Tunisien est un genre qui casse tout, qui cherche à mettre la révolution partout et qui cherche à obliger d'autres à jeûner ou à se réfugier dans des églises pour... Non, non, simplement il cherche du travail et il cherche à être placé. Nous aimerions beaucoup qu'il soit régularisé. Rassurez, monsieur le ministre Masmoudi, les travailleurs tunisiens, qui sont un appoint essentiel pour la France dans un certain nombre de secteurs de production, ne posent pas de problème particulier en tant que tel. Alors, monsieur Segui pose le problème naturellement sur le plan syndical, c'est sa vocation sociale et humaine. Je voudrais simplement dire que le problème se pose sur un plan, je crois, différent. Et notamment depuis quelque temps. Je ne crois pas que l'on puisse sérieusement dire qu'il y a en France, ça n'a jamais été ni la tradition ni la vocation de la France, une discrimination, je dirais, d'ordre racial à l'encontre des travailleurs étrangers dont par ailleurs nous avons besoin. Vous le savez, puisque en fait nous manquons de main-d'œuvre par rapport à nos objectifs et à nos ambitions, notamment dans le domaine industriel, et nous avons un besoin pressant d'un certain nombre de travailleurs étrangers. Le problème du logement qui se pose, effectivement, a fait l'objet, vous le savez bien, monsieur Segui, si vous voulez en juger objectivement, notamment depuis quelques années, d'un effort considérable sur le plan financier. Je ne suis pas un spécialiste de la législation sociale, mais je connais assez bien les problèmes budgétaires et financiers. Il a fait l'objet d'un effort considérable pour essayer d'améliorer la situation. Il a fallu beaucoup lutter pour ça. Oui, enfin... Je ne cherche pas où est la responsabilité et où sont les mérites de cette affaire, mais en tous les cas, il y a eu, on est toujours loin des besoins dans ce domaine, et il n'y a pas qu'en France, vous le savez, il y a eu un très gros effort et une priorité donnée à la lutte contre ce qu'on appelle les bidonvilles, etc. Il reste beaucoup à faire et le gouvernement a bien l'intention de continuer son effort. Monsieur le ministre, si vous permettez, je crois qu'effectivement vous avez fait beaucoup dans ce domaine, mais nous aurions voulu, nous, en faire, et on nous a dit que... Il serait difficile de prévoir pour les Tunisiens des logements, alors que notre gouvernement était disposé à même faire certains immeubles pour loger les Tunisiens. Et on veut absolument qu'il puisse y avoir le principe du brassage, que tout le monde se mette ensemble. Oui, c'est aussi assez valable. Nous pensons que la discrimination est une... Ce n'est pas une discrimination. Non, enfin, si vous voulez, nous pensons qu'à partir du moment... C'est un effort supplémentaire qu'on aurait voulu faire. Bien sûr, mais il y a... Et nous y sommes sensibles, bien entendu. Mais nous pensons qu'il est essentiel que les travailleurs étrangers qui sont en France ne soient pas isolés dans une sorte de ghetto, mais puissent en réalité se considérer, sur le plan de l'existence courante, comme n'importe quel travailleur français, et par conséquent, nous pensons qu'il faut... En tout cas, je souhaite, monsieur le ministre, qu'avec aussi l'appui de nos amis, les syndicalistes français et des entrepreneurs français, qui vraiment apprécient beaucoup la main-d'œuvre tunisienne, j'espère que les quelques milliers de Tunisiens qui sont en situation... dites d'irrégularité puissent être régularisées. Quant à nous, nous avons pris certaines dispositions particulières. C'est un problème qui ne concerne pas seulement la Tunisie, vous le savez. Oui et non. En principe, nous avons appris que certains, quand ils annoncent qu'ils sont des réfugiés politiques, alors on les accepte. C'est dire qu'il y a une prime à ce qu'on vienne annoncer qu'on est réfugié politique, qu'on puisse éventuellement mener je ne sais quelle action à partir de cette bonne terre de France
contre son propre gouvernement, à ce moment-là, on accepte les bras ouverts. Alors là, on ne comprend plus. Non. Pour l'instant, c'est dans tout le monde entier. Ça, je me rends compte. Oui, pas encore dans les pays en voie de développement. Le problème de New York, je crois, ne tient pas en fait aux États-Unis ou au peuple américain. Je crois que c'est un problème beaucoup plus profond et qui est très préoccupant. Et on voit d'ailleurs l'évolution actuelle à Paris et dans toutes les grandes villes libres. Ça tient à la croissance des villes. Et je crois que New York, aujourd'hui, a dépassé la taille qui permet de le gérer. Et que toute ville dans le monde qui arriverait à la taille de New York connaîtrait très exactement les mêmes inconvénients, qu'il s'agisse des inconvénients de saleté dont vous parliez tout à l'heure, que les inconvénients de criminalité qui étaient l'objet de la question. Je crois qu'il y a une taille maximum à partir de laquelle, si l'on va au-delà, il n'est plus possible de gérer une ville. Les problèmes qui s'y posent sont devenus d'une complexité telle que forcément il y a une espèce de dégénérescence de la société qui y habite. Et c'est ça le problème de New York, beaucoup plus qu'un problème lié au fait que New York soit aux États-Unis. Faites une ville de la taille de New York à Paris ou dans n'importe quel pays libre, comme dirait M. Segui, j'ai cru y déceler une dire, autre façon de venir au secours du régime des États-Unis. Eh bien, je crois qu'il se passerait très exactement les mêmes phénomènes. Et ceci est préoccupant et suppose et impose même au gouvernement d'être attentif à cette expérience new-yorkaise et par conséquent de limiter une excessive croissance des villes et notamment, c'est là où je reprends mes responsabilités de ministre de l'Agriculture, et notamment une excessive émigration des campagnes vers les villes. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons accueillir, nous allons revenir sur le sujet et je vais... Mais il est certain qu'il ne faudrait pas s'entourer dans une tour d'ivoire et qu'il est nécessaire qu'il y ait des contacts sérieux. Et même, je vais plus loin, il y a des questions de logement qui sont à la base de toutes les délinquances des jeunes, l'urbanisation. Il y a des quantités de questions annexes et je crois qu'on ne peut pas les traiter simplement de la place Vendôme. Je crois qu'il faut essentiellement avoir des contacts avec les autres ministères. Tout cela est un travail de grande équipe, je dirais. Il y a un appel qui s'adresse à vous, M. Chirac-Blanc. Monsieur Segui, est-ce que vous connaissez un domaine ou une société quelconque à l'ensemble des moyens nécessaires pour satisfaire l'ensemble de ses besoins? Certainement pas. Ce n'est pas le cas dans ce domaine, et Mme Rosès a très justement souligné ce point. Il n'en reste pas moins que, là aussi, et je rends hommage à cet égard à ce qui a été fait par ses prédécesseurs, et dont je suis sûr qu'elle va amplifier les résultats, il y a en tous les cas une chose certaine, c'est que ces problèmes préoccupent de plus en plus le gouvernement en raison même de leur développement, qui est lié, comme le disait très justement Mme Rosès, au développement urbain. Et tout à l'heure, le commissaire nous l'a dit avec très juste raison, et qui impose effectivement un effort sérieux pour essayer de se prémunir contre les inconvénients de cette situation. Pour répondre à M. Segui, j'ai eu une question. Je voulais simplement faire remarquer que finalement, je n'ai pas le chiffre en tête, mais le prix de revient d'un mineur est très très élevé. Il faut bien faire un choix, il faut savoir si le pays veut aller jusqu'au bout. Et vous savez combien c'est décevant également l'éducation surveillée, combien les résultats sont fragiles. Et vous savez, j'ai eu une expérience d'audience, c'est-à-dire d'avoir vu revenir devant le tribunal des majeurs qui étaient passés par toutes les gammes de l'indulgence. La première petite peccadille, c'était l'admonestation, la remise à la famille, lorsque le délit est un peu plus important, une peine avec sursis nécessairement. Et puis on en arrive avec tous les efforts qui ont été menés à quoi? À quelqu'un qui commet de nouveaux délits. Alors, vous savez, le prix de revient est très élevé, et il faut quand même... Je ne s'en souviens pas, mais je crois que c'est quelque chose qui est de l'ordre, si j'ai bon souvenir, de 300 francs par jour, environ, largement. Ce qui est évidemment très onéreux. À partir de là, il y a deux moyens. Le premier qui existe, qui a existé malheureusement, qui existe encore dans un certain nombre de pays, et qui est purement et simplement l'attitude répressive. Sans tenir le moindre compte des problèmes humains que cela pose ou des problèmes de rééducation ou de réinsertion dans la société. Et le deuxième consiste à faire l'effort nécessaire pour réinsérer dans la société avec tout ce que cela comporte d'échecs et de risques d'échecs liés au caractère même, n'est-ce pas, des individus auxquels ça s'adresse et des enfants auxquels ça s'adresse. Et sur ce point, depuis déjà longtemps, la France s'est orientée très systématiquement dans ce sens et dans cette voie. Il est évident que les moyens ne seront malheureusement jamais suffisants, car l'évolution de la société implique... Le troisième moyen, ce qui concerne la prévention,
tient à une question de régime en général, et ça, il faudrait faire une émission spéciale de feu croisé pour en débattre de fond en comble. Ce qui provoque la hausse des prix est en réalité le phénomène de pénurie, et que pour lutter contre la hausse des prix, on n'a pas encore trouvé d'autre moyen que de lutter contre la pénurie, ce qui exige bien entendu la mise en place d'incitations à la production, donc d'amélioration des revenus, ce qui a pu faire dire à un certain nombre de théoriciens qui se sont livrés actuellement à des études récentes et importantes sur les responsabilités des différentes catégories de produits dans les tensions inflationnistes que peuvent connaître les États mondiaux actuels, ce qui leur a fait dire qu'en réalité, l'augmentation des prix agricoles avait également un pouvoir déflationniste, contrairement à ce qui, au premier abord, pourrait apparaître. Monsieur Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, était également venu à ce congrès des jeunes agriculteurs pour proposer que le Parlement et les agriculteurs étudient en commun une réforme du droit de la terre. Pour les jeunes agriculteurs, en effet, la terre est avant tout considérée comme un outil de travail. Ils ne veulent plus que les agriculteurs soient obligés de devenir propriétaires de leurs terres pour assurer la sécurité de leur emploi et de leurs revenus. Ils veulent donner la priorité à la modernisation de leur exploitation. Ils veulent que ces exploitations agricoles puissent jouir des mêmes droits que les entreprises industrielles, les sociétés anonymes, dont la valeur ne dépend pas forcément de la propriété du sol. Ce sont des idées qui rencontrent une forte opposition chez ceux qui y voient une atteinte au droit de propriété. Je ne pense pas que l'on puisse supprimer la propriété individuelle de la terre, mais nous pensons que pour donner à l'agriculture la parité avec les autres secteurs tels que l'industrie et le commerce, qui ces dernières années se sont développés grâce à des formes juridiques et fiscales modernes, eh bien pour donner à l'agriculture cette parité, nous devons développer des formes nouvelles d'appropriation du sol, et notamment des formes de société. Nous sommes entrés dans une véritable politique de participation des organisations agricoles à l'élaboration de la politique agricole. En particulier en ce qui concerne la création d'un organisme du lait. Oh, c'est un des éléments parmi d'autres, un des plus importants, mais les mesures prises en ce qui concerne la montagne, en ce qui concerne les problèmes fonciers, en ce qui concerne l'organisation du marché du lait, en ce qui concerne le soutien à notre politique de l'élevage et son amplification, sont à mes yeux, parmi d'autres, essentielles et marquent bien la volonté du gouvernement par des résultats qui sont probablement plus importants que ceux de l'année dernière pour l'agriculture française, d'aller dans le sens du développement systématique de notre agriculture et de notre monde rural, ce qui est à n'en pas douter l'un des éléments essentiels de notre civilisation de demain. Les agriculteurs ont été les premiers à jouer la carte du marché commun et à faire l'Europe. Eh bien, les agriculteurs seront les premiers à mettre en œuvre la participation dans le domaine de l'élaboration de la politique qui les concerne. Et ceci prouve bien, en réalité, que les agriculteurs sont des gens tournés résolument vers l'avenir et qu'il s'agit bien d'une activité, je parle de l'agriculture, qui n'est pas une activité dépassée. Tout d'abord, la France est préoccupée par le problème général de l'alimentation du monde et une certaine pénurie que l'on peut maintenant distinguer en matière de produits alimentaires. Et cela a fait l'objet de propositions faites par le président de la République il y a de cela 3 semaines environ et qui concernent une organisation internationale des produits alimentaires. Mais là, plus précisément, nous sommes confrontés à un problème très sérieux qui est le manque de soja pour les aliments du bétail, spécialement pour les poulets et pour les porcs, à la suite de l'embargo américain sur leurs exportations, car vous savez que nous sommes entièrement tributaires de ce marché américain pour nos approvisionnements. C'est pourquoi j'ai fait hier tout un ensemble de propositions à la Commission, que j'avais déjà faites depuis plusieurs mois, car nous sentions venir ce phénomène, et qui concernent d'une part l'interdiction d'exporter un certain nombre de produits de substitution, du soja à base de protéines,
qui concerne l'instauration d'une prime de dénaturation pour la poudre de lait, de façon à permettre de l'incorporer à la place du soya dans les aliments du bétail, qui prévoit également des mesures permettant de développer nos cultures nationales de protéines naturelles, bref, tout un plan que je ne peux pas détailler ici, et qui va être discuté maintenant en séance restreinte entre les ministres. Mais je reconnais que la plupart de nos partenaires ne semblent pas aussi sensibilisés que nous à ce problème pourtant extrêmement sérieux pour l'avenir de nos élevages, je pense notamment à la Bretagne, mais à l'ensemble de la France. Quant à la conférence sur la négociation internationale, vous savez, indépendamment même de cet accident que nous constatons actuellement sur le soya, les fluctuations monétaires que nous enregistrons actuellement rendent à mes yeux extrêmement aléatoires les résultats que l'on pourra en escompter. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que chacun ne doit pas faire le maximum de bonne volonté pour essayer d'améliorer les conditions du commerce international. Avant-hier soir, à la suite de la conférence agricole mensuelle que je tiens avec les organisations professionnelles agricoles, le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, M. De Baptiste, très préoccupé comme ses collègues de la situation créée à la production par le problème actuel en matière de fruits et de légumes, m'a demandé de réunir une instance qui existe depuis longtemps à mon ministère et qui est le Comité national interprofessionnel des fruits et des légumes. Et ceci de façon à examiner les conséquences pour les producteurs de cette situation. Ce comité comprend notamment les détaillants, de même qu'il comprend les industriels, les coopératives, les transporteurs et surtout les producteurs. Et j'ai donc décidé effectivement de convoquer ce comité pour examiner le problème. Ce qui veut dire bien sûr qu'il y aura dans cette instance, je le rappelle classique, des représentants des détaillants. Il va de soi d'ailleurs que mon intention, qui est d'essayer de faciliter une solution aux problèmes que se posent les producteurs, ne me permettra réellement de le faire que dans la mesure où la crise actuelle et notamment la grève auraient pris fin. Car sans cela, bien, je verrai les conséquences à en tirer de cette situation avec les producteurs, ce qui est ma mission, et c'est tout. Nous avons en France actuellement un problème difficile dans l'élevage, c'est-à-dire chez les agriculteurs qui font de la viande et de la viande de bœuf. D'abord parce que les prix ont baissé, ensuite parce que la vente est difficile, il y a une espèce de phénomène de mévente qui est un peu analogue à un phénomène de chômage dans l'industrie, le tout étant dû à une certaine congestion du marché, et enfin parce que, en face de cette situation, les charges qui pèsent sur la production ont tendance à augmenter. J'ai donc demandé à ce que les ministres se réunissent, car il n'y a en fait aucune solution nationale qui nous permette de décongestionner ce marché. Je reconnais que les premiers contacts que j'ai pris officieusement avec nos partenaires ne sont pas très encourageants, et que tant du côté de la Commission que chez nos principaux partenaires, le problème de l'élevage ne paraît pas mobiliser leur attention comme il mobilise la nôtre. C'est la raison pour laquelle je compte avoir un combat difficile à mener. Je suis aujourd'hui incapable de vous dire quelle sera l'issue de ce combat. En tous les cas, j'ai la conviction de défendre une cause juste dans l'intérêt national et dans l'intérêt européen, et par conséquent, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que les prochaines semaines m'apportent et apportent à l'agriculture française les satisfactions légitimes auxquelles elle peut prétendre. Si le prix de la viande à la production était relevé de 10%, est-ce que ce ne serait pas le consommateur qui en serait victime ? Non. Si le prix de la viande n'était pas relevé, les agriculteurs ne produiraient plus, ne seraient plus encouragés à produire, car leurs revenus seraient insuffisants, et alors dans un an, dans deux ans, il y aurait forcément une très forte hausse des prix à cause de l'insuffisance de la production. Par conséquent, l'intérêt du consommateur, comme celui du producteur, c'est que le producteur reçoive un juste prix. Et c'est la raison pour laquelle cette demande n'est pas contraire aux intérêts des consommateurs et ne devrait pas, en fait, se traduire par une augmentation de la viande à la consommation. Mais de toute façon, les agriculteurs, comme les autres catégories sociales de la nation, ont droit à une certaine garantie et à une certaine évolution de leurs revenus, ce qu'ils n'ont pas à l'heure actuelle.
Viande de bœuf, premier résultat pour les éleveurs. Monsieur Chirac a obtenu de ses partenaires européens quatre mesures qui vont permettre de relever le prix garanti de la viande à la production d'environ 5%. Ces quatre mesures sont aide au stockage privé, intervention pour de nouvelles catégories d'animaux, subvention à l'exportation, possibilité de payer 5% plus cher les animaux achetés par des organismes d'intervention lorsque les cours seront trop bas. Évidemment, on n'en restera pas là. Le ministre français de l'Agriculture a déjà remporté une petite victoire en décrochant ses 5% de hausse. Pourtant, les éleveurs qui se plaignent d'une chute de 30% des prix à la production voulaient 10% immédiatement et non la moitié, et ils entendent obtenir 17% le 1er mars. Les ministres de l'Agriculture des 9 en reparleront les 11 et 12 février, puis les 18 et 19 février. Pour le consommateur, rien de changé, les prix restent fixes chez le boucher. Le Conseil a accepté à ma demande, d'une part, une opération de stockage communautaire de la viande, d'autre part, une politique très dynamique d'exportation, enfin, une intervention sur toute une série de catégories d'animaux et de viande qui jusqu'ici n'en bénéficiaient pas. Mais surtout, comme vous le dites, il a accepté, par un système technique, d'augmenter les prix d'intervention en France de l'ordre de 5%. Bien sûr, ce ne sont pas les 10% que nous avions demandé à l'origine, mais, si j'ose dire, c'est encore plus intéressant. Car ces 5% ne sont pas un acompte à valoir sur la prochaine augmentation qui aura lieu le 1er mars, mais s'ajouteront à cette augmentation et par conséquent sont plus intéressants que ce que nous avions à l'origine demandé. C'est une augmentation nette du prix d'achat par l'ONIBEF de la viande. Au total, si vous voulez, je pense que l'ensemble de ces mesures est de nature à permettre de décongestionner le marché et de raffermir ou de soutenir les cours, c'est-à-dire d'aller dans le sens que nous souhaitons. On a du mal à croire qu'une augmentation des prix à la production de la viande bovine ne se répercutera pas au détail. Vous savez, c'est un problème là aussi très complexe. Lorsque les prix à la production ont augmenté, disons fin 72, début 73, l'augmentation du prix de détail n'a pas suivi, au même niveau en tous les cas. Aujourd'hui, les prix de la production ont baissé très sensiblement, mettant en cause le revenu des agriculteurs, et naturellement, les prix de détail n'ont pas suivi non plus, ce qui veut dire qu'il y a actuellement une marge de jeu qui est possible. Par conséquent, l'augmentation qui a été obtenue hier et l'augmentation que nous obtiendrons le 1er mars prochain, car je demande une augmentation substantielle du prix de la viande, ne se répercutera pas au niveau du détail et au contraire permettra d'encourager les producteurs à faire de la viande et par conséquent à éviter une pénurie qui, dans un an, risquerait d'avoir des conséquences graves en matière d'augmentation des prix pour les consommateurs. Si bien que, dans ce cas particulier, l'intérêt du consommateur et l'intérêt de l'éleveur est le même, et que je pense que les décisions prises vont dans le sens de l'intérêt des uns comme des autres. Il ne faut pas confondre les prix à la consommation et les prix à la production. Le problème de l'inflation, c'est celui de la hausse des prix à la consommation, essentiellement. Lorsque l'on vient à Bruxelles et que l'on demande une hausse des prix, il s'agit des prix à la production agricole. Or, vous savez que depuis 9 mois environ, c'est-à-dire depuis que nous connaissons des hausses de prix très importantes dans tous les secteurs, les prix agricoles ont la caractéristique d'avoir baissé, pour l'essentiel d'entre eux, notamment la viande, le vin, les fruits et légumes. Et cette baisse, bien sûr, met en cause le revenu des agriculteurs et crée forcément un mécontentement qui est justifié et qui pourrait, s'il continuait, se traduire par un abandon, en quelque sorte, de la production agricole, ce qui se traduirait à ce moment-là par une hausse des prix importante à la consommation. Donc, dans ce cas particulier, il faut constater que l'intérêt du consommateur et celui du producteur ne sont pas opposés, mais convergents dans le moyen terme. Alors la France demande effectivement des hausses de prix substantielles sur les productions animales, d'une part, et sur certains produits végétaux, d'autre part. Il s'agit d'abord de la viande. Nous avons une crise. Vous connaissez dans nos régions traditionnelles de production de viande, qu'il s'agisse des races bovines, du charolais ou du limousin ou d'autres,
qu'il s'agisse de notre production de viande liée à notre production de lait en Bretagne ou dans bien d'autres régions. Et nous avons actuellement des difficultés qui ne peuvent se résoudre que si nous obtenons une hausse importante du prix à la production de la viande. Et ceci suppose une décision positive à Bruxelles et une décision très difficile. Parce que si nous sommes en France excédentaires en viande, nos partenaires, eux, sont importateurs, puisque la communauté est déficitaire et par conséquent, leurs intérêts sont à l'opposé des nôtres. Et nous demandons également une hausse substantielle du prix du lait. Et nous nous opposons naturellement à toutes les taxes que la Commission propose pour résorber de soi-disant excédents laitiers auxquels je ne crois pas, pour ma part. Et dans ce domaine, il y aura également une discussion difficile, mais vous imaginez pour toutes nos productions laitières, qu'il s'agit des Normandies, de la Bretagne, etc., combien cette décision est importante et attendue. Vous avez l'intention d'être toujours aussi ferme, du moins sur ce qui est l'essentiel. Je n'ai pas du tout l'intention de céder sur l'essentiel, effectivement, mais ceci dans la limite, bien sûr, d'un certain réalisme, car aujourd'hui, plus que jamais, il est fondamental de préserver l'acquis européen et de progresser, au moins dans ce domaine, du marché commun agricole, qui, malgré ses difficultés, progresse. C'est paradoxal de passer de l'intérieur à l'agriculture. Enfin, ça paraît un peu paradoxal. Mais vous avez tort. Ça n'est pas paradoxal du tout de passer de l'intérieur à l'agriculture. L'agriculture est un très grand ministère en France et où il faut effectivement agir beaucoup, comme a agi Jacques Chirac d'ailleurs. Et qui est appelé à devenir de plus en plus important. De plus en plus important. Vous savez, j'ai eu d'illustres prédécesseurs. Edgar Faure. Monsieur Chirac. Monsieur Chirac. André Tardieu. L'agriculture, c'est toujours... Pour un ministre français, une promotion, croyez-moi. Vous allez donc devoir changer d'attitude. Devoir changer d'attitude, comment? J'ai vu, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pas en mettant des pancartes. Vous voulez dire que M. Chirac défendait les agriculteurs contre M. Marcellin? Mais non, pas du tout. M. Chirac a toujours eu le sens de l'État, moi aussi. Moi, à ce moment-là, je faisais le maintien de l'ordre et je n'ai jamais accepté aucune violence de personne. Je l'ai dit encore et vous l'avez publié d'ailleurs récemment lorsque je parlais à des agriculteurs. Et M. Chirac ici en dehors de fera quelques ce métier. Cas très exceptionnels. Vous savez, je suis un député rural depuis 30 ans, l'oubliez pas. En dehors de quelques cas très exceptionnels, les manifestations agricoles sont toujours revêtues d'une très grande dignité. Et il n'y a jamais eu de problème, sauf quand quelques agités irresponsables, généralement non agriculteurs, essayaient de faire de la provocation, n'est-ce pas, et se mêler à ces affaires. Mais autrement, il n'y a jamais eu de problème, en tous les cas, dans les années qui viennent de passer, entre les forces de l'ordre et les agriculteurs, jamais. Après le ministère de l'Intérieur et dans la foulée, le ministère de l'Agriculture, où selon la tradition, Raymond Marcellin a accompli le premier acte officiel de sa nouvelle charge, remettre au ministre sortant le mérite agricole, plus familièrement appelé le poireau. Après cette matinée bien remplie, les deux ministres se sont isolés dans leurs bureaux respectifs, avec comme priorité la formation de leur nouveau cabinet.
Pas de bousculade, Sylinger. Le président, en ouvrant le Conseil des ministres ce matin, s'est adressé aux membres du Conseil. Il leur a dit « Nous sommes ici pour changer la France, et non pour faire carrière, ni vous, ni moi. Je compte sur vous pour conduire la France et organiser le changement nécessaire. Ce changement s'exprimera dans les structures gouvernementales. J'exercerai, a déclaré M. Giscard d'Estaing, j'exercerai pleinement la fonction présidentielle et j'accepte les responsabilités qui en découlent. Je travaillerai directement avec les ministres et je vous invite à alléger à cet égard les cabinets ministériels et à alléger également les trop nombreux écrans administratifs. J'invite les ministres à réduire leur cabinet ministériel et également à réduire l'intervention entre eux des services administratifs. Le président a ajouté, vous serez jugé et apprécié sur le succès ou l'échec de votre gestion personnelle. C'est pourquoi il est demandé au Premier ministre de revoir le texte concernant les suppléants de manière à ce qu'éventuellement les ministres puissent reprendre leur place à l'Assemblée nationale ou au Sénat au terme d'un délai de 6 mois après la cessation de leurs fonctions. Évoquant l'action administrative, le président a ajouté « La France actuellement est une administration d'ailleurs excellente, représentée par des hommes politiques. Or, j'entends qu'elle soit gouvernée par ses responsables politiques. Vous devrez alléger les moyens et les structures dans vos administrations et j'entends donner ici l'exemple au palais de l'Élysée où le personnel se trouvera réduit de 464 à moins de 300 personnes. Le président a ensuite évoqué le caractère libéral que la France doit maintenir dans le domaine politique. La France, a-t-il dit, est un pays libéral et doit marquer plus encore son orientation dans ce domaine. C'est pour cette raison que j'entends qu'un certain nombre d'actions soient entreprises dans 3 domaines. D'abord, la suppression des écoutes téléphoniques, si elles existent, et la destruction des archives qui en résulte. Deuxièmement, le développement de la France comme pays de droit d'asile intellectuel et politique. Et enfin, en ce qui me concerne, a ajouté M. Giscard d'Estaing, en ce qui me concerne personnellement, il n'y aura pas de saisie de la presse, même s'il y a des attaques contre le président. Monsieur Giscard d'Estaing a ensuite évoqué les conditions et les méthodes de travail du Conseil des ministres de manière à en alléger les détails administratifs et à en réserver à chaque séance une partie à un débat d'orientation générale sur un problème d'actualité. Le président a ensuite évoqué l'orientation générale de l'action gouvernementale et notamment la déclaration qui doit être faite par le gouvernement la semaine prochaine. Cette déclaration qui engage le gouvernement sera évoquée au prochain Conseil des ministres et fera l'objet d'un vote devant l'Assemblée. 2 actions immédiates requièrent l'attention du président et du Conseil des ministres. Ils seront traités les 12 et 19 juin. Le 12 juin, il s'agira d'évoquer l'ensemble des problèmes que pose le redressement de la situation de la France dans une situation tourmentée. Avec 2 points importants, la priorité au redressement de notre équilibre extérieur et la lutte contre l'inflation. Le Conseil des ministres du 12 juin se consacrera à ces 2 problèmes.
Le Conseil des ministres du 19 juin se consacrera au problème de la transformation de la société française dans le sens de plus de justice, de plus d'égalité des chances et de la participation de tous, en particulier des travailleurs, aux responsabilités. En terminant, le président s'est adressé aux ministres et leur a dit « Vous êtes des amis et vous êtes des amis personnels dans vos problèmes, dans vos soucis, dans votre vie. Mais dans vos fonctions, vous êtes des hommes au service de la France, je dis bien au service de la France et rien que cela. » Conformément aux dispositions de l'article 8 de la Constitution, M. Messmer a présenté la démission du gouvernement. Celle-ci a été acceptée par le président Giscard d'Estaing, qui a remercié M. Messmer du travail accompli par le gouvernement qu'il dirigeait. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Tiens, comment ça va ? Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, a nommé M. Jacques Chirac Premier ministre. Comme vous le savez, le président de la République vient de me nommer Premier ministre. Je lui ai exprimé ma reconnaissance pour la confiance qu'il avait bien voulu me faire. Et je vais maintenant préparer un gouvernement que je viendrai lui soumettre demain matin. Je n'y échapperai pas. Discret de vous demander si ce gouvernement sera un gouvernement... Écoutez, permettez-moi maintenant de faire un effort de réflexion compte tenu des indications générales que m'a donné le président de la République. Et notre intention est de faire quelque chose, un gouvernement qui soit plutôt réduit. Je vais maintenant me consacrer à cette tâche. Je commenterai la composition du gouvernement à la télévision mercredi soir. Vous le vouliez plus jeune que vous, monsieur le président ? Je le voulais compétent et il n'est pas mal qu'il soit plus jeune que moi. Des femmes au gouvernement ? Pardon. Je commenterai la composition du gouvernement mercredi soir à la télévision. Si la plupart des Français profitent de ce week-end de Pentecôte pour prendre quelques heures de repos, pour l'un d'entre eux, Jacques Chirac, le Premier ministre, il n'en est pas question. Il prépare la déclaration de politique générale de son gouvernement qu'il fera mercredi prochain à 16h devant les députés à l'Assemblée nationale. Une déclaration dont il aura exposé les grandes lignes au Conseil des ministres le matin même. Qu'attend-on de cette première intervention politique du Premier ministre ? Eh bien en fait, le programme d'action qui concrétisera les options générales défini par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, lors de sa campagne présidentielle et dont il a rappelé l'essentiel à l'occasion de son message au Parlement jeudi dernier. C'est sur cette déclaration de politique générale que Jacques Chirac engagera le lendemain jeudi la responsabilité de son gouvernement par un vote des députés et qui permettra de fixer les contours de la nouvelle majorité présidentielle à l'Assemblée. Cette déclaration est également très attendue par les centrales syndicales qui pourront ainsi mesurer les futures orientations sociales du gouvernement. Un débat donc très important, au cours duquel tous les représentants des groupes politiques à l'Assemblée prendront la parole. Vendredi, le président de la République, M. Valéry Giscard d'Estaing, se rendra à Chamalières pour la première fois depuis son élection. À cette occasion, se tiendra une réunion extraordinaire du Conseil municipal, au cours de laquelle Valéry Giscard d'Estaing devrait remettre sa démission de maire de Chamalières. La fin de la semaine sera marquée également par deux événements d'importance. C'est samedi, en effet, que l'on connaîtra la composition définitive du gouvernement avec la nomination des secrétaires d'État au nombre de 17, dit-on. Enfin, samedi et dimanche se réunira pour la première fois depuis le 19 mai le comité central de l'UDR qui, après la déclaration de politique générale de mercredi,
pourra définir sa position à l'égard du nouveau gouvernement et de sa politique. Dix heures précises, ce matin, au palais de l'Elysée, le président Valéry Giscard d'Estaing, souriant, fait son entrée dans le salon Murat, où se tient traditionnellement le Conseil des ministres. Les 15 membres du gouvernement sont là depuis une quinzaine de minutes. Le chef de l'État, costume gris, chemise rayée, cravate unie, va faire le tour de la table ovale du Conseil, saluant chacun des ministres du cabinet Jacques Chirac. Quelques instants plus tard, les travaux du Conseil vont commencer. C'est en fonction de l'ordre protocolaire que sont placés les membres du gouvernement. À la droite du chef de l'État, M. Michel Poniatowski, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, puis Messieurs Sauvagnard, Robert Gallet et Mme Simone Veil. À la gauche de M. Valéry Giscard d'Estaing, M. Jacques Soufflet, ministre de la Défense, puis Messieurs Habi, Jarraud et Ansker. En face du président de la République se tient M. Jacques Chirac. À la droite du Premier ministre, M. Jean Le Canuet, garde des Sceaux, M. Jean-Pierre Fourcade, Christian Bonnet et Michel Dornano. À la gauche de Jacques Chirac, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, puis Pierre Abelin et Michel Durafour. À l'ordre du jour de ce Conseil figurait notamment la déclaration de politique générale du Premier ministre, une communication sur la situation internationale et une révision du traitement des fonctionnaires. C'est Michel Poniatowski qui doit rendre compte des travaux de ce second Conseil des ministres du septennat.